à tous, c'est Eddy. Bienvenue à tous les adhérents Magic Form. On est reparti pour une séance de Boxing Fury ensemble qu'on va faire à la maison. Donc encore une fois, pas besoin de matériel, juste serviette, bouteille d'eau et on va travailler sur que des mouvements de boxe. Donc on va faire un petit échauffement ensemble d'une dizaine de minutes. Ensuite, on travaillera spécifiquement sur la technique qu'on va mettre au point aujourd'hui. Et ensuite, on aura notre cœur de séance, ça sera 5 rounds de 3 minutes cette fois. Donc on va vraiment travailler sur un chrono d'un round de boxe anglaise sur 3 minutes complètes, 5 rounds seulement. Donc 15 minutes de travail au total, vu qu'à chaque fois il y a une minute de repos, ça montera 20 minutes le temps de travail. Donc voilà. Donc prenez un petit peu d'espace simplement. On va juste commencer tout doucement à faire un petit peu d'échauffement ensemble. Donc on va commencer avec simplement la mobilité des poignets. Et en même temps, on peut aller sur les pointes de pied le plus haut possible, maintenir la position quelques secondes et revenir bien à plat. Donc ressentir le poids du corps pardon, sur l'ensemble du pied. Et on mobilise bien nos poignets. Voilà. Qu'on s'échauffe les chevilles et les poignets. Ok. On peut mobiliser un petit peu les coudes, dedans, dehors, dedans, dehors. Et en même temps, commencer à mettre un petit peu d'espace dans les cervicales. Bouger légèrement le cou. Ok. On va préparer simplement des inclinaisons de buste à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. On garde les appuis fixes, les jambes légèrement fléchies. On envoie juste le buste d'un côté et de l'autre. Ok, maintenant on vient faire 10 rotations du buste dans un sens. 1, 2, 3, 4. Là, ça vient chauffer activement. 5 en partie lombaire. 6, le bas du dos. 7, 8, 9, 10. Ok, on repart pareil dans l'autre sens. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on peut mettre les mains sur les hanches et aller juste chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et pareil, devant, derrière, ça vient étirer un petit peu les appuis et le dos et même les abdos. On garde les pieds fixes au sol, on envoie juste le bassin vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, on garde bien nos appuis, jambes semi-fléchies. On prend un bras, on l'envoie vers l'extérieur le plus ample possible, un mouvement lent et contrôlé 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On change de bras dans un sens 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok. On relâche un petit peu les bras. Ok. Cette fois, on passe au sol, sur les genoux et sur les mains. Voilà. Position quadrupédique, comme on appelle. Le but, c'est d'envoyer légèrement le buste vers l'avant dans un sens
ou dans l'autre pour chauffer la mobilité des poignets et commencer à engager nos abdos. Donc déjà là, on contracte les abdos pour sentir qu'on engage la sangle abdominale. Et des petites rotations dans un sens et dans l'autre pour bien fléchir les poignets, que ça les mobilise. Ok. On va partir maintenant sur les mains, bras tendus, un petit peu de core training. On travaille vraiment le travail abdominal pendant 5 minutes. On va refaire un petit bloc. 30 secondes de planche, simple comme d'habitude. 30 secondes de repos, 5 minutes. Et ça, on sera chaud. 3, 2, 1, go. On est parti. 30 secondes, planche, donc bras tendus, appui, écartement des hanches, donc pas pieds joints, et on gagne les abdos au maximum. Ok, 3, 2, 1, top, on souffle. Ok, on relâche. On récupère, 30 secondes. On va repartir. On garde le dos bien droit, pareil. On gagne des abdos en maximum. Ce qu'en plus du gainage, en même temps, on va sortir un coup main droite, un coup main gauche, un coup main droite, un coup main gauche. En gardant le bassin parallèle au sol et le dos bien droit toujours. 3, 2, 1. Allez, deuxième bloc, on repart pour 30 secondes. Voilà, on garde les jambes assez écartées. On lève juste une main, on contrôle le mouvement, on repose. L'autre main, on contrôle, on repose. Voilà. On garde le dos bien droit. On gagne les abdos à fond. Une main, puis l'autre. Une main, puis l'autre. On contrôle le mouvement. Il nous reste moins de 10 secondes. Ok, top. On souffle. On relâche un petit peu les bras. On respire bien. Donc 20 secondes, on repart. Donc même travail. Je vous montre un peu la musique. Même travail, sauf que cette fois, on va bouger les pieds. On lève pied droit, puis pied gauche. Ok, 3, 2, 1, go. On est reparti. Troisième bloc. On gagne les abdos à fond, le dos bien droit. On lève le pied droit, on stabilise. On contrôle, on redescend. On lève le pied gauche. On stabilise, on redescend. Voilà. Ok. Moins de 10 secondes encore. On contrôle ça. On gagne les abdos à fond. Top. Ok. On souffle. On récupère. On va repartir pour le quatrième bloc dans 20 secondes. Cette fois, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va sortir main gauche, on la repose. On sort main droite, on la repose. On sort pied droit, on le repose. On sort pied gauche, on le repose. Et on repart. À chaque fois, on sort une main, l'autre main, un pied, l'autre pied. On tourne comme ça, on sort à chaque fois un appui. 3, 2, 1. Go pour 30 secondes. On stabilise, on sort une main, on repose. L'autre main, on repose. Un pied. On repose. Voilà. On gagne bien les abdos. On va essayer de garder le bassin parallèle au sol. Et le mouvement lent et contrôlé. 10 secondes encore. On se concentre sur la respiration. Et top. Ok. On souffle. On relâche. Encore 20 secondes. On va attaquer le dernier bloc. On va se mettre cette fois les pieds joints. On va contracter les fessiers. Gainer encore plus les abdos. Rentrer le nombril. Serrer à fond. Les bras tendus toujours. On maintient 30 dernières secondes. Après ça, on sera chaud. 3, 2, 1, go. On est reparti. 30 secondes. Pieds joints cette fois. Fessiers contractés. Abdos gainés à fond. Bras tendus. La tête dans l'alignement, auto-grandi, épaules basses. Et je garde la position 15 secondes encore.
3, 2, 1, top. Ok. Ok. On relâche les bras. On respire. On s'hydrate. Ensuite, on va partir sur un petit travail technique ensemble de 8 minutes. 8 minutes où on va travailler que la technique. Donc hydratez-vous, récupérez bien et je vais vous expliquer comment on va s'échauffer. Donc là, on va repartir. Donc on va faire un petit échauffement technique, donc un petit peu l'équivalent du skill pour les cross-training et crossfitters. Donc là, on va faire un travail de 8 minutes, donc 5 rounds de 1 minute avec 30 secondes de récupération seulement. On va travailler à chaque fois qu'un petit mouvement technique pour nous préparer vraiment pour notre série, notre cœur de séance derrière. Donc là, préparez-vous, mettez-vous en place, en garde dans un premier temps. Je vais lancer le chrono, on va travailler sur 1 minute. Donc première minute, en garde, go, on est parti. Donc, première minute, en garde, une jambe devant, une jambe derrière, les appuis légèrement fléchis, on vient jouer juste sur les inclinaisons du buste, à droite, à gauche. Pas trop rapide dans un premier temps, on chauffe tranquillou. Voilà, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On gaine les abdos. Voilà. Et on décale tout doucement à droite, à gauche, à droite, à gauche. On peut faire des petits pas de pivot pour bouger légèrement, ne pas toujours être dans le même sens. Voilà, on continue, on garde ça. Ça, c'est l'inclinaison de buste. Les mains au niveau du visage pour rester en garde, la tête dans les épaules. C'est des esquives latérales. Parce que la tête va à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est latéral. Abdos bien gainés, les obliques travaillent. L'épaule arrière, elle passe devant, derrière. Et en même temps, ma tête, elle sort. Top, on souffle. Ok. On récupère 30 secondes. Ok, donc encore 10 secondes avant de repartir. Ok, on est reparti. Une minute. Cette fois, on va travailler seulement le direct du bras avant. Donc le bras qui est devant, il s'allonge, le poids du corps bascule derrière, jambes fléchies et la tête qui désaxe en même temps. Du coup, ça, en même temps que c'est le direct. Hop, wow. Il y a une esquive latérale, comme on faisait tout à l'heure, esquive latérale du côté du bras arrière, en même temps, on envoie le direct du bras avant. C'est-à-dire que je sors ma tête en même temps que je frappe. Je suis en esquive en même temps que je porte un coup. Le poids du corps part pas trop en retrait, plutôt en latéral. Voilà, on allonge le bras. 20 secondes encore. On travaille qu'un bon direct du bras avant. On visse le poing pour que ça fasse une rotation. 10 secondes encore. Top, on souffle. Ok. 30 secondes, on récupère. Donc on essaie de travailler vraiment juste sur la technique pour que vous puissiez bien comprendre ça. Au début, on a fait juste des esquives latérales pour sortir la tête. Mobiliser la tête puisque c'est la cible de notre adversaire, donc il faut que la tête elle bouge. Là on envoie le direct du bras avant, le poids du corps est tombé derrière en même temps, du coup il y a une esquive en même temps. Je frappe mais ma tête elle reste pas au milieu, sinon je pourrais prendre des coups moi aussi. Je frappe en même temps, je sors. Donc là, 3, 2, 1, on est reparti, prochaine minute. Là vous avez fait direct du bras avant, la tête elle est sortie, comme ça je suis en protection, tout le poids du corps est derrière. Hop, je renvoie direct du bras arrière, tout le poids du corps revient devant. Du coup, ma tête, s'il n'y avait pas les coups de poing, elle ferait ça et ça. C'est les deux esquives latérales qu'on a vues au début. Clac, clac, deux coups, et en même temps, la tête, elle sort. Un, deux, voilà. J'envoie une gauche, ma tête, elle est à droite. J'envoie une droite, ma tête, elle est à gauche. Ou l'inverse, peu importe. Bras avant, le poids du côté de la jambe arrière. Bras arrière, le poids du côté de la jambe avant. Toujours ça. Un, deux. Un, deux. Ok, 20 secondes encore. Pas trop vite. Exécutez bien le mouvement technique pour chauffer.
Un dernier. Ok, top, on souffle. On récupère. 30 petites secondes. Ok, on va repartir sur un petit mouvement technique tout simple et qui va être important pour plus tard. Ok, on est reparti. Une minute. Cette fois, on refait une esquive latérale du côté du bras arrière. Important pour nous. Hop, sauf qu'en même temps, hop, on fait cette esquive latérale. Hop, on décale la jambe arrière. Là, vu que le poids du corps est tombé sur la jambe arrière, en même temps, c'est simultané. Hop, on fait un petit pas. Ça veut dire que je fais une esquive et en même temps, hop, un petit bond sur le côté. Hop, un petit pas sur le côté. Voilà, c'est léger, mais ça fait que j'esquive et qu'en plus je me désaxe. Hop, et je vais bien fléchir la jambe sur laquelle je réceptionne. Hop, voilà, je reste en face de l'adversaire. Hop, un petit pas, je désaxe bien. Hop, je me mets en sécurité. Hop, voilà. Hop. 10 secondes encore. Ok, on respire. On repart sur la dernière minute. Notre dernier petit exercice. Et on aura vraiment vu les mouvements techniques qu'on va mettre en place aujourd'hui. Vous allez repartir une minute. Le pas de côté en même temps. On fléchit bien, on réceptionne bien sur la jambe, donc esquive en même temps, il y a un petit pas sur le côté. On est parti une minute. Hop, ça c'est ce qu'on a fait. Vu que tout le poids du corps est derrière, hop, on lance un bras arrière. On sert de cette petite esquive et ce petit pas de côté pour remiser. Donc on imagine que l'adversaire a frappé, il a lancé lui peut-être un bras avant. Grâce à ça, hop, je passe sur le côté, légèrement fléchi, le dos vient droit, abdos gainés, j'esquive, boum, et je remise. Je passe le contre comme ça. Hop, je sors, je remise. Hop, je sors, je remise. Je ne suis pas obligé de remiser trop vite, dans un premier temps, hop, de bien faire le mouvement technique. Une fois que le mouvement est bien fait, hop, on pourra ajouter de la vitesse plus tard. Hop. Allez, un peu moins de 15 secondes, on garde ça. Ok, stop. Ok. On respire. On peut prendre une minute à deux minutes pour bien respirer. Là, normalement, on est commencé un petit peu à monter un petit peu dans les tours. On a préparé la technique qu'on voulait. On a fait un petit peu d'abdos. On commence à être tout juste chaud. On n'est pas allé trop fort exprès pour ne pas s'entamer physiquement. Parce que là, le cœur des séances va commencer maintenant. Là, on va partir sur 5 rounds de boxe. De 3 minutes, un petit peu plus long que d'habitude, je vous fais travailler sur 2 minutes d'habitude. Donc là on va travailler sur un vrai round, 3 minutes, ça va être assez long. Donc tenez bon, il faut mettre du gros riz, il n'y a que 5 rounds, 5 fois 3 minutes, vous avez 15 minutes d'effort à faire. Mettez une grosse intensité, allez-y fort, à fond, faut rien regretter, ok. Donnez tout, hydratez-vous bien une dernière fois, relâchez, ensuite on se met en place, on est parti pour 5 rounds de 3 minutes. On est parti, bras avant, bras arrière. Premier round de 3 minutes de boxe. On déclenche que bras avant, bras arrière. Comme on a vu à l'échauffement, bras avant, le poids du corps est derrière. Bras arrière, le poids du corps est devant. On peut faire des tout petits pas de pivot. 1, 2, pour bouger, on condense la tête. 1, 2, on déclenche 2 coups. 2 mouvements. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On garde la tête dans les épaules. Et on lance 2 coups. On peut expirer sur l'effort pour bien s'oxygéner. Voilà. Entre deux séries, si on n'est pas obligé de les lancer,
On peut continuer à bouger la tête. Là, ça fait une minute de travail. À 1 minute 30, je vous donnerai une autre directive. Chaque fois, on fait une moitié du round avec une directive, la deuxième moitié avec une autre. On allonge bien deux coups, on désaxe la tête. Les poings, ils partent du visage et ils reviennent au visage. Ok. Encore 1 minute 30. On allonge bras avant, bras arrière. Une fois que tout le poids du corps est devant grâce à ce bras arrière, hop, on fait une esquive latérale avec un petit pas de côté comme on l'a vu tout à l'heure. Tout s'enchaîne. 1, 2, 3. Hop, c'est léger, on n'est pas obligé d'aller vite. 1, 2, 3. Voilà. Grâce à ce petit pas de côté, je me désaxe. 1, 2, 3. C'est léger. Je bouge juste sur le côté, mais ça suffit. Hop, j'ai juste un coup à éviter. 1, 2, 3. On fait le mouvement pas trop rapide dans un premier temps pour être sûr de bien l'avoir. 1, 2, 3. Et une fois qu'on l'a, 1, 2, 3, on peut aller un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 30 secondes encore. Allez, continuez, continuez, lâchez pas. Je vous dirai stop. 10 secondes encore. Ok, top. On souffle, on respire. Une minute de récupération, 60 petites secondes, ça va passer vite. Donc optimisez ça. Calmez la respiration. Attendez une vingtaine de secondes. Une fois que le souffle est un peu plus calme, que le cœur est descendu, on peut s'hydrater. Rapidement, on attrape une bouteille d'eau qu'on a à côté. Et on va enchaîner pour le deuxième round. On aura 5 rounds comme ça à faire sur 3 minutes. Donc pareil, on va repartir avec 7 séries et on va rajouter un mouvement pour la première minute 30. Et on rajoutera encore un deuxième mouvement pour la fin, la minute 30 supplémentaire. Dans 10 secondes, on repart. Donc là, on a le bras avant, bras arrière, esquive du côté du bras arrière. Ça faisait 3 mouvements, 4 mouvements. On va rajouter un direct du bras arrière. Go, on est reparti. 1, 2, esquive et remise. Ça fait un coup, deux coups, une esquive, un coup encore. Du bras arrière. L'échange de poids de corps fait que vous ne devez pas vous tromper. Bras avant, tout le poids est derrière. Bras arrière, tout le poids est devant. Esquive, tout le poids est derrière. Bras arrière, tout le poids revient devant. Si vous faites bien, si vous gagnez bien les abdos, vous faites bien l'échange de poids, vous ne pouvez pas vous tromper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On n'est pas obligé d'aller plus vite que ça dans un premier temps. Voilà. 1, 2, 3, 4. On gagne bien les abdos. Assez offensif sur le mouvement. Essayez de faire 1, 2, 3. Toujours bien en boule. 4. Je peux rentrer encore dans l'adversaire. 1, 2, 3, 4. 30 secondes encore sur ce mouvement. Là, j'exagère un peu exprès pour vous montrer. N'hésitez pas à bien souffler sur les coups pour bien vous oxygéner. Dernière minute 30. On a fait la moitié du round, on enchaîne. Bras avant, bras arrière. Esquive du côté du bras arrière que vous avez fait. Bras arrière, tout le poids est devant. Et on finit avec un uppercut du bras avant. Le poids du corps, il est sur la jambe avant. J'enroule, je ramène tout derrière. Hop, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Uppercut, j'enroule bien. Je travaille avec les abdos,
Le percutez pas que le bras, sinon il n'y aurait pas de la force. Ok, les jambes légèrement fléchies. Et j'envoie les hanches. Là, il y aura de la puissance sur mon uppercut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, regarde ça. 35 secondes encore. Vous avez 5 mouvements à faire. 1, 2, une esquive. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Deux coups, une esquive, deux coups. 1, 2, 3, 4, 5. Je frappe, je sors, je frappe, je sors. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Top, on saute. Ok. On respire. On a fait deux rounds. On respire. On attrape la serviette. On a une petite minute de récupération. On pense bien à s'hydrater. Laissez descendre le cœur avant de boire, sinon vous n'avez pas à récupérer. Récupérez bien. On souffle. Une fois qu'on a récupéré, on peut s'hydrater. Ok. Dans 30 secondes, on repart. On est reparti. Donc là, l'important, comme je vous disais juste avant, c'est je frappe, je sors, je frappe, je sors. Donc on finit avec ça. Bras avant, bras arrière, je sors, bras arrière, bras avant, l'uppercut. Et je fais une petite esquive rotative. Je viens dessiner un arc de cercle. Ça me permet de refaire une esquive, de me remettre en protection à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sors. Là, la série est finie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direct, direct, esquive, direct, uppercut, esquive encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde bien la tête dans les épaules. Ok, 25 secondes encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ok. Il vous reste 1 minute 30. Libre cette fois. Je me déplace, je bouge, bien sur la pointe des pieds, et j'envoie que des directs du bras avant. Voilà. À notre série, on l'a rentré, c'était très bien. Maintenant, on récupère. Hop. Des directs du bras avant, des petites esquives latérales, des petites esquives rotatives. On continue. Allez, encore 1 minute. On regarde la tête dans les épaules, impulsion, répulsion sur les jambes, on est mobile. On continue, on bouge, je travaille avec le bras avant pour récupérer. Allez, un peu plus de 15 secondes pour finir ce troisième round. Ok, top, on souffle.
Ok, on boit un coup, on récupère une petite minute, après on repart pour nos deux derniers rounds. On va repartir dans 5 secondes. Deux derniers rounds, on va mettre beaucoup plus de vitesse. Oh, ok, on est parti toutes les 30 secondes. On va changer de thème pour ces deux derniers rounds. Donc là, on est parti pour 30 secondes. On n'envoie que des directs. La tête dans les épaules. On allonge les bras au moins au niveau de mon visage. Comme si l'adversaire faisait notre taille. Et on visse les poings pour faire des rotations des coups de poing. Ça va travailler les épaules. Ok, on allonge les bras. Ok, 30 prochaines secondes, pareil. On n'envoie que des uppercuts. Ça vient d'en bas. On gagne les abdos, on garde la tête dans les épaules. Et on enroule. C'est des petits moulins comme ça. Voilà. C'est court. Et on envoie des uppercuts. Voilà, bravo. Voilà, bravo. Ok, 30 prochaines secondes, on mélange tout ça, on fait direct du bras avant, direct du bras arrière, uppercut du bras avant, uppercut du bras arrière, direct, direct, uppercut, uppercut, direct, direct, uppercut, uppercut, direct, direct, uppercut, uppercut, pareil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on réfléchit plus. 2 direct, 2 uppercuts, allez c'est parti, les coups de poing. Quatre secondes encore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on est reparti, que des directs. On garde les appuis. On incline le buste à droite à gauche. Et on allonge les bras. On respire. Ok, 30 prochaines secondes, on n'envoie que des crochets. On monte les coudes, on vient frapper l'adversaire sur les côtés. On monte les coudes, crochet gauche, crochet droit, crochet gauche, crochet droit. On gagne bien les abdos. Un point qui frappe, un point qui protège. On n'envoie pas tout comme ça. On reste ici, un point qui frappe, un point qui protège. Un point qui frappe, un point qui protège. Et on continue. Voilà. 5 secondes encore. Ok, 30 dernières secondes, on repart pareil, on mélange. Direct, direct, crochet, crochet, direct, direct, crochet, crochet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On réfléchit plus, on laisse partir les coups. 1, 2, direct, 1, 2, crochet, 1, 2, direct, 1, 2, crochet. On respire. Une petite minute de récupération. Ok. Donc là, on va attaquer le dernier round. Donc aujourd'hui, on a travaillé à la fois le cardio un petit peu, mais un petit peu plus la technique que d'habitude. Donc ça a été un peu moins intense au niveau du rythme. Mais on a quand même travaillé des bons mouvements si vous avez réussi à bien les faire. Des bons échanges de poids, des bonnes esquives, des beaux mouvements. Donc c'est ça qui est important. Grâce à ça, par la suite, chez Magic Form Bordeaux, on pourra travailler au sac sur des séries un petit peu plus complexes. Donc c'est intéressant que vous travaillez bien la gestuelle. Ok, encore 10 secondes. On va attaquer le dernier round. On fait exactement le même travail qu'on vient de faire sur le quatrième round. Sauf cette fois, on réfléchit plus, on met toute la vitesse.
Ok, go, 30 premières secondes, que des directs. On allonge, bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Pas très grave de faire des esquives ou pas en même temps. L'important, c'est de monter le cardio à fond pour finir ce dernier round à bloc. Donc on allonge les bras. Allez, on tient bon. 10 secondes encore. On part pour les uppercuts. La tête dans les épaules. Court. C'est pas que les bras comme ça. Hop, on essaie d'enrouler les épaules. Le poids du corps. On cède des jambes. Et on envoie. Uppercut gauche, uppercut droit. Uppercut gauche, uppercut droit. Ça vient du bas vers le haut. Et on met du rythme. 10 secondes encore. 5 secondes encore. Au prochain mouvement, il faudra coordonner tout ça. Ok, 30 secondes, on coordonne tout ça. Direct, direct, uppercut, uppercut, direct, direct, uppercut, uppercut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On respire. On tient bon. Un, deux, trois, quatre. 10 secondes encore. Trois, deux, un. Top, on est reparti. Que des directs. On gagne les abdos. La tête dans les épaules. On réfléchit plus, on allonge les bras. 30 secondes. On a fait la moitié, 15 secondes encore. Ah ok, on part pour les crochets maintenant. On lève bien les coudes, on va frapper sur les côtés. Crochet gauche, crochet droit, crochet gauche, crochet droit. Un point qui frappe, un point qui protège. On garde un peu dans les épaules. Ça doit chauffer les épaules à fond justement. Allez, on tient bon. 9 secondes. Allez, 30 dernières secondes, on mélange tout ça. Direct, direct, crochet, crochet, direct, direct, crochet, crochet. C'est fini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va faire mal au bras, mal aux épaules. Allez, on tient bon. Allez, 10 secondes, on finit à fond. Ok, on respire. Normalement, le cœur est bien monté, les épaules ont commencé à chauffer, vous devez être bien. Ok. Je vous laisse 2 à 3 minutes pour récupérer un petit peu plus, hydratez-vous, soufflez, relâchez. Préparez-vous un tapis abdos. On va finir avec un petit circuit abdos pour finir la séance en beauté. Ok, donc on va repartir. On va enchaîner 3 mouvements abdos sur 10 secondes chacun, sur 10 séries pardon chacun. Ok, au sol, tapis abdos. On va partir sur 3 mouvements de 10 répétitions chacun. Entre chaque mouvement, on aura une petite dizaine de secondes de récupération. À la fin des 3 mouvements, 45 secondes de récupération complète. Objectif de faire 3 tours. Je vous montre les 3 mouvements avant qu'on commence. Donc, assis au sol, voilà, couché au sol, pardon, talons vers les fessiers. On respecte les courbures naturelles. On essaye de garder l'espace derrière les reins. On va partir, on va mettre les mains tendues au plafond. On va souffler pour aller tout droit vers le plafond. Ça fait décoller légèrement les omoplates. Mais vraiment tout droit. J'envoie pas les mains en diagonale vers l'avant, j'envoie tout droit vers le plafond pour vraiment travailler la partie haute. Donc je fais ça 10 fois. Ensuite, je pose les mains sur mes cuisses pendant 10 fois. J'enroule un petit peu plus. Le but, c'est que mes mains viennent dépasser les genoux 10 fois aussi. Ensuite, je tends légèrement les jambes. L'objectif sera de venir faire sit-up, me rasseoir
10 fois également. Je me rassois complètement, je viens casser la perpendiculaire. Donc à chaque fois, 5 à 10 secondes de récupération entre chaque mouvement. À la fin, on récupère 45 secondes complètement. Et on repart, on fait 3 tours. Ok ? On est parti pour le premier mouvement. Je compte le rythme. Les mains tout droit vers le plafond. Go ! 1. On souffle bien sur les forces. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on relâche. On relâche un peu. On pose les mains sur les cuisses. Cette fois, on va dépasser les mains, doivent dépasser les genoux. On enroule un petit peu plus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on relâche également. Cette fois, quand on souffle, on va se rasseoir complètement 10 fois. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, je lance le chrono. On a 45 secondes de récupération. Donc là, on peut venir poser les pieds au sol, pousser sur les pieds, contracter légèrement les fessiers. Ça vient désactiver les abdos. On relâche. On se pose au sol. On peut accentuer la cambrure, lever les mains au-dessus de la tête. Là, on est censé étirer la sangle abdominale également. On relâche. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On est reparti. Donc, premier tour. Essayez de travailler aussi sur la concentration, sur qu'est-ce que je demande à mes abdos. Premier mouvement, c'est vraiment en partie haute. On contracte vraiment le haut des abdos. On est parti 10 fois. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. 10 secondes. On peut tirer un petit peu. On va repartir. Les mains sur les cuisses. On enroule un petit peu plus cette fois. On peut se concentrer sur les abdos un peu plus bas, plusieurs au milieu. Go. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche également. Donc sit-up. Cette fois, on rapproche bien sternum pubis. On contracte tous les abdos. On enroule tout 10 fois. Go. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. On peut passer sur le ventre. Essayez de faire le cobra. Bon, mon cobra, il est bien, hein, parce que je suis pas très souple. Mais l'important, si on va regarder loin au plafond, au-dessus de nous, on pousse sur les bras. On expire, on vient relâcher à fond la sangle abdominale pour l'étirer. Ok. Allez, encore 10 petites secondes. Allez, on va repartir. Ok, on repart.
au sol. Allez, les 10 premiers, on se concentre sur le haut des abdos, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche, on enroule un petit peu plus sur les prochains, main sur les cuisses, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on allonge les jambes, sit-up complet, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on souffle, une petite minute pour finir, on relâche. On aura un dernier, tout dernier petit mouvement abdos. D'abord, on se remet pour faire le cobra. Ok, on récupère, on va encore 30 petites secondes. Donc là, on a fait 3 x 10 à chaque fois, donc 30 mouvements abdos par tour, on a fait 3 tours, donc 90 abdos. Comme j'ai une tendance à aimer bien les comptes ronds, on va faire une dernière série de 10, comme ça on arrivera à 100 abdos. Donc là on aura fait un gros travail au niveau de la sangle abdominale, que je vous rappelle d'ailleurs que pour toutes les esquives latéral, les obliques travaillent beaucoup. Et pareil, le transfert du poids, si vous fléchissez bien les appuis, il y a les cuisses bien sûr, mais la sangle abdominale fait tout le transfert dans les poings. Donc de toute façon, les abdos, quand on boxe, ils travaillent tout le temps en synergie avec les autres muscles. Donc dites-vous que de toute façon, la boxe, ça vous fait bien travailler les abdos. Mais là, quand on finit avec un bloc comme ça, vous êtes vraiment sûr que votre sangle abdominale, elle va finir très en forme. Donc on va finir un dernier mouvement. Hop. Au sol. Dernière série de 10. On tend les jambes, là elles sortent du champ, mais en gros c'est juste d'avoir les jambes le plus possible à la perpendiculaire. Si on n'est pas souple, la chaîne postérieure qu'on peut pas, c'est pas grave, on les envoie ici, ça suffit. Le but c'est juste de ramener les mains en direction des pieds, le plus haut possible. Si on peut, on touche les pieds, 10 fois et on finit. Go, 10 répétitions, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se rassoit, on souffle, on respire, on récupère. On peut repasser un petit peu par le mouvement du cobra ou juste sur le dos en poussant sur les pieds comme on faisait au départ, en contractant les fessiers pour désactiver un petit peu les abdos et juste finir en soufflant, en respirant. La séance est finie. Merci à toutes et tous pour la séance, c'est fini, on a pu travailler la boxe un poil moins intensif que d'habitude au niveau du cardio, peut-être que vous l'avez ressenti différemment, mais on a pu travailler plus de techniques et faire un gros bloc abdos derrière, c'est parfait pour que vous puissiez garder une bonne condition physique avec ce genre de séance où vous travaillez et la technique boxe et votre condition physique générale. Donc bravo à tous d'avoir suivi la séance, merci de votre attention d'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser encore plein de commentaires qu'on sache ce qu'on peut faire la prochaine fois ou pas, ce qui vous a plu ou non, ce que vous avez compris ou peut-être pas compris. Donc voilà, récupérez bien, courage à tous pour le confinement, forcément c'est pas évident, on le sait, mais on est avec vous pour vous soutenir, courage à tous et espérons que ce soit bientôt fini.